dialogue ça organisé en prélude à Journée mondiale de l'eau 22 mars qui a venu là sous thème gouvernance secteur de l'eau potable et assainissement. C'était occasion pour responsable garder état avancement projet et présenter un bilan de travail y a réalisé dans zone là. Plusieurs secteurs dans la région étaient représentés dans le rassemblement ça qui était fait dans un gros hôtel dans la ville cap-haïtien. Directeur régional Nord OREPA, ingénieur Pierre Bernardin Poisson, montre le satisfait pour réussite journée dialogue ça. Point nous débattre plus sans ça c'est problème et facturation, problème facturation de loi. Nous connaissons à cause de remonter carburant, c'est pomper une pompe pour nous capables de la population en l'eau. Et c'est problème de déboisement, côté que y a plus de déboisement qui a fait dans le pays. Chaque lagon de déboisement fait en amont, sous sa vintage, il n'y a pas de l'eau encore. Et nous vivons côté aujourd'hui à ces forages, nous obligés de faire, qui n'est pas normal dans le pays. Côté que nous avons eau de surface, nous avons une rivière, nous avons capables de l'eau qui peut le jeter dans la mer. Si nous avons une possibilité, c'est à voir comment nous faire pour nous capter de la surface là, pour nous capables de la population normalement de l'eau. Souterrain n'a pas supposé en réserve pour nous. Je dis à celui même n'a pas épuisé et pourtant il y a l'eau de surface qui pourrait aller vers plusieurs participants beaucoup de pas fait connait yo vinn pi bien comprendre travail dîner pas à réaliser souterrain. C'était un dialogue qui était vraiment intéressant côté que nous té importance et assainissement d'eau gain dans zone là et puis consommation client qui besoin yo et puis qui impact ça ka gain dans communauté a. Et les pagues ont assainissement et qui répondent sont capables de porter tout par rapport à problème nous gain. Il y a un point qui était vraiment fait plaisir, c'est parce que la majorité de monde toujours critiqué les dîners pas à travailler dans la rue, ils toujours quitter, ils pas jamais fini, ils toujours quitter reste travail toujours gain la bouche. Je dis avec statistique, avec toute projection qui ont montré nous que travail qui commence et qui a fini d'ici 2024, moi que c'est pas vraiment c'est pas vraiment abandonner ou abandonner, mais c'est continuité que travail a fait pour être capable d'aboutir. Je dis à moins apprendre plus que des projets qui t'a fait limonade que moi pas de connais, des projets qui t'a fait pour deux paires que moi pas de connais, et des qui a fait trois nanomètres que moi pas connais. Je dis à moins apprendre. Qui te rappeler que première phase travail alimentation ville au cap aglo fini mois février passé à et l'autre phase yo déjà démarré pour une durée de 14 mois. Jérôme Maxino Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique.